à tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y chercher des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir La Belle, nouvelle radiophonique de Boileau-Narcejac, le concours L'Accident de la Semaine et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. René Havard, André Vard et Rosie Vart dans La Belle, une nouvelle radiophonique de Boileau-Narcejac. On n'avait qu'à l'arrêter. On serait loin. Ouais, et le chauffeur nous aurait signalé dès qu'on serait descendu. Ah, moi j'en ai marre, on crève de froid dans ce fossé. Eh ben barre-toi. Ça m'étonnerait que t'ailles jusqu'à Paris dans cette tenue et sans un rond. Et si on reste ici, on est encore plus sûr de se faire cueillir. Oh, ta gueule à la fin. Je réfléchis. Ah, oh, bah fallait le dire. Le grand Polo réfléchit. Pendant que les bourgs découvrent notre échelle et préviennent la gendarmerie. On a encore une heure au moins avant qu'ils commencent à bouger. Et justement, arrêtons une bagnole et tirons-nous. T'as déjà vu des types, toi, faire de l'autostop à 5h du matin en février? Et surtout fringués comme nous. Eh ben alors, bon Dieu, propose quelque chose. Ah, je crois que j'ai une idée. Hein? Allez, amène-toi. Ouais, puis on va nous entendre à 1 kilomètre avec nos sabots. Si j'ai bonne mémoire, il y a un carrefour tout près d'ici et une villa de l'autre côté. Eh ben, faudra se cogner dedans pour la voir. Bah, si c'est pas elle, ça sera une autre. C'est plein de petites maisons entourées de jardins à la sortie du bled. Oui, alors tu sonnes et on nous fait passer à la salle à manger. On trouvera bien une cave à un coin pour se cacher. Une maison, ça veut dire des vêtements et du fric. Ça veut surtout dire des mecs qui nous recevront à coups de pétard. Et bah si t'es pas content, t'as qu'à filer. Oh, j'en connais un qui serait bien empoisonné si je le prenais au mot. T'es très fort pour la gueule et les boniments. Mais qui sait qui a scié les barreaux? Qui sait qui a déniché l'échelle? Et tout, hein? Dans 2 heures, les routes seront barrées, les gares surveillées. On nous cherchera partout. Mais personne ne s'imaginera que nous sommes toujours planqués ici, tu comprends? Ah non, non, moi je vois qu'une chose. Foutre le camp au diable et le plus vite possible. Lave-la la maison. Eh ben, à la tienne. Moi, j'en ai ma claque, des murs, des portes et des serrures, je me débine. Fred, fais pour l'idiot. Oui, ben, je te jure qu'ils m'auront pas. Et si tu t'en sors, c'est toujours convenu, hein. Jeudi soir, chériton. Ah, chériton. Pauvre type. Pourvu qu'il n'y ait pas de kleps. Non, il serait déjà annoncé. Ah, tout le monde roupille encore, forcément. Un dimanche matin. Ah, il n'y a donc pas de cave dans cette garce de baraque. Ah, tout de même, j'ai rien pensé là-dedans. Ah, heureusement que ces vaches m'ont fait maigrir. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Le téléphone? À cette heure-ci, mais... Bon, ben, je vais toujours me planquer derrière la chaudière. Regarde bien. Oh, quel métier, bon Dieu, ils auront ma peau. Et voilà, 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 voilà. Allô? Oui, ici Merlier. Bertrand à l'appareil, salut. Dis, habille-toi en vitesse, le patron va rappliquer. Tu
paraît qu'il y a deux types qui se sont évadés de la prison. Eh ben, c'est bien leur droit. Tu veux tout de même pas que je les rattrape? Ne fais pas le zouave. Saute sur ta moto et va te renseigner. Dans une heure, on aura sur le dos les gars de François. Tu sais à quelle heure je me suis couché? Je m'en fous, grouille-toi. Oh, quel métier, bon Dieu, pour deux malheureux voleurs de lapins. Mais réveille-toi, Merlier. Il ne s'agit pas de voleurs de lapins, il s'agit de Polo et de Fred Pisani. Quoi? Mais oui, Polo, dit le professeur, et Fred. Tu sais bien, Fred des grandes pognes. Ah, tu commences à réaliser, ben c'est pas trop tôt, mon vieux. Enfin, tu vois d'ici le ramdam, quoi. Ça va, j'arrive. Et il y a eu de la casse? Pas trop, non, non. Juste un gardien d'assommé. Ils se sont débinés par un chantier contigu à la prison. On n'a pas idée aussi de construire un immeuble à côté. Bon, à tout de suite, hein. Quel Stéphane, bon Dieu, ils auraient pas pu choisir un autre jour, ces corneaux-là. Qu'est-ce que c'est? Deux types qui se sont débinés de la prison. Et alors? Ben alors, il faut que j'aille là-bas. Tu les connais? Pas personnellement, non. Oh, je t'en prie, fais pas d'esprit. Je te demande qui c'est. Paul Méguin, dit le professeur. Oh, mais oui! C'est lui qui a fait le coup de la banque de commerce. Mais... deux agents descendus et un passant tué. Oh, ça va, t'excite pas. L'autre, c'est Alfred Pisani. Freddy! Freddy les grandes pannes, j'ai lu ça aussi dans mon journal. Ton journal! Ton journal. Tu oses appeler cette feuille un journal? Des gueules de criminels, de sadiques et de dégénérés à chaque page, des articles illisibles, une prose pour dactylo échauffé. Bon, étant donné que ton canard de 4 sous, il y a juste la nécrologie, le prix des légumes et la photo d'un veau phénomène, ça c'est un vrai journal, hein? Ben, en tout cas, c'est un journal propre. Mais mes journaux à moi sont sales, allez, dis-le. Oh, tu m'embêtes, tiens, oh, j'aime bien tordre ou se péter au fond, j'aime mieux foutre le camp. Tiens, c'est ça, va-t'en jouer au grand reporter. Moi, je passerai mon dimanche comme les vieilles. Regardez passer les autos derrière mon carreau. Ben, pour le moment, j'ai pas le choix. Plus tard. Plus tard, plus tard. Il y a 10 ans que tu me répètes ça, plus tard. Tu penses peut-être que j'ai conservé des illusions à ton sujet. Oh, suffit, je connais l'antienne, je pourrais te souffler tes répliques. Il n'empêche que si j'avais su quel homme tu étais... T'en aurais épousé un autre, je sais, tu je pars, sais. Oui, je sais. Et moi, crois-tu que si j'avais soupçonné ton caractère... Mais c'est toi qui l'as fait ce qu'il est, mon caractère. Naturellement, hein. Parce que t'étais un ange quand je t'ai demandé ta main. Un ange de douceur, de tendresse. De vertu. De vertu? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je me comprends. T'as de la chance. C'est ta cravate que tu cherches, elle est sur la cheminée. Heureusement que c'est moi qui suis désordonné. Oui, parce que pour toi, c'est avoir de l'ordre de laisser traîner les bouquins comme ça dans tous les coins, sur tous les meubles. Bon Dieu, jusque sur la descente de lit. Quel bouquin. Tout le monde ne peut pas lire Victor Hugo. Tu crois que c'est sain, franchement, de lire des trucs comme ça? Tiens, celui-là, du plomb dans l'air. Ah, ça doit être du propre, hein. Et celui-là, prière d'incinéré. Et je prends au hasard, pas difficile, il y en a partout. Sans parler de tes hebdomadaires, de ton courrier du cœur. Le courrier du cœur de Mme Suzanne Merly. Je parie que tu l'as écrit, non? Et après? Je vois celui-ci. Petite fleur frileuse. Mon mari ne gagne pas assez d'argent et je voudrais rouler un Cadillac. Que dois-je faire? Réponse de tante Agathe, prenez un amant. Imbécile. Merci. Je ne lève pas pour me préparer mon café. Oh, rassure-toi, j'en ai nullement l'intention. Je vais prendre un noir dans un bistrot, comme un célibataire. Et ça te rajeunira. Je te crois pas obligé de rentrer pour déjeuner. Bon, je souhaite qu'ils vous échappent, tiens. Qui ça? Ces pauvres types qui sont enfuis. Ils ont bien fait. Ben, ils ont assommé un gardien. Il avait qu'à choisir un autre métier. Encore un qui n'a que ce qu'il mérite. Oh, tu es décidément charmant. Bon, toi, tu me dis, va-t'en. Oui, va-t'en, oui, mais va-t'en, va-t'en. C'est ça. Oh, oh, oh. Allô? Allô, c'est toi, Maurice? Oui, bonjour, mon chou. Tu essaies de ne pas faire une imprudence? Non, il est parti. À cette heure-ci? Mais tu pleures, qu'est-ce que tu as? Oh, toujours la même chose. Oh, vous êtes encore disputé? Oh, tu sais comme il est. Alors cette fois, il t'a quitté? Lui? Oh, on dirait que tu le connais pas. Non, il est parti à son journal. On l'a appelé tout à l'heure parce que deux hommes se sont évadés de la prison cette nuit. Attends. Quoi? Allô? Suzanne? Allô? Allô? Non, c'était rien. J'avais cru qu'on marchait dans le vestibule. Non, il est bien parti. J'ai entendu sa moto. Tu crois qu'il soupçonne quelque chose? Lui? Vaniteux comme il est. Il n'y a pas de danger. Peux-tu venir, mon chéri? Quand, après déjeuner? Non, tout de suite. Tout de suite? C'est donc si grave? Oui, il faut absolument que je te voie. Je
suis trop malheureuse. Allons, Minouche, allons. Minouche. Le temps de m'habiller, d'avaler quelque chose de chaud, parce que tu sais, il y a encore moins 4 ce matin. Et je te retrouve, hein? Merci. Dépêche-toi. Un petit baiser. Ah, te voilà, moi c'est pas trop tôt. Ben, j'ai fait vinaigre, seulement un dimanche, on pourrait nous foutre la paix le dimanche. Ah, c'est vrai, si les prisonniers se mettent à les camper le dimanche, où irons-nous? Mais tu rigoles, toi, t'es pas marié. Est-ce à dire que Mme Merlier fait la gueule? Je suis pas venu t'entretenir de Mme Merlier. Alors, les nouvelles? Rien de plus, la gendarmerie établit des barrages, le gardien est toujours dans le coma. Tu vas filer à la prison, puis au commissariat, tu tâcheras d'avoir des tuyaux. Oh, vous en faites tout simple, alors, pour deux malheureux types qui seront repris avant ce soir. Oh, ben, mais blague dans le coin. Le type est dangereux. Fredo s'y remarque, mais moins parce qu'il n'est pas intelligent, lui. Tandis que Polo, hein, bah, mets-toi dans sa peau. De toute façon, il est condamné à mort. Il prendra n'importe quel risque. Il démolira n'importe qui. Maintenant, il s'en fout. Et il y aura du grabuge. Tu verras ce que je te dis. Mais dis donc, toi aussi, ça t'excite, hein? Ah, vous me faites tous mal au ventre avec votre Polo, alors. Ah, c'est un bonhomme pas ordinaire, tu sais. Et je te souhaite pas de le rencontrer. Bon, ça va, je saute à la prison, hein. Qu'on en finisse avec cette histoire. Dis, emporte le flash. Quatre ou cinq gros plans de n'importe qui pour ma première page. Ouais. Et si tu peux avoir le gardien à l'hôpital... C'est ça, le gardien à l'hôpital. La bonne n'est donc pas là? La bonne. C'est bien que René ne peut garder personne. Allez, entre, tu me fais geler. Donne ton pardessus. Mais tu es sûr qu'il ne va pas revenir? Parce que tout de même, s'il me trouvait à cette heure-ci... Oh, n'aie pas peur. Tu le connais. Il va courir partout, faire l'intéressant. Il va se prendre pour un envoyé spécial. Ah, Dieu sait quand il rentrera. Et alors tu l'entendras. Oh, non, plutôt tu auras la chance de ne pas l'entendre. Comme me le disait monsieur le procureur, ainsi que je l'ai fait observer au directeur de la prison, heureusement que j'ai attiré l'attention du commissaire sur un point qui leur avait échappé, etc., etc., etc. Enfin, son numéro habituel, quoi. Calme-toi, mon chéri. Je ne t'ai jamais vu aussi agité. Oh, c'est que j'en ai assez. Oh. Tiens, entre au salon, ce corridor est glacial. Pardon. Tu veux du café? Non, non, merci. Eh bien, si je pensais te trouver ainsi, toute seule, un dimanche matin. Maurice, il faut faire quelque chose. Quoi, mon chou, quoi? Puisque tu ne veux pas te séparer de lui. Oh non, par exemple. Tu comprends bien que si je m'en vais, je prendrai tous les torts sur moi, alors ça jamais. Qu'est-ce qui torture l'autre? Tout de même, faut être juste. Puis d'ailleurs, je te l'ai déjà expliqué 100 fois, il n'acceptera jamais le divorce. À cause de sa feuille de chou bien pensante. Il en crèverait de honte. Allons. Allons, allons, allons. Je suis trop malheureuse. Mais on ne peut pourtant pas le tuer. Je sais bien. Pourtant, tu sais, je suis pas plus mauvaise qu'une autre. Ben, y a des moments où je souhaite qu'il dérape, qu'il rentre dans un arbre. Mais ça arrive tous les jours, ces choses-là, des braves gens que tout le monde regrette. Mais lui... Il est vrai qu'il ne risque pas de rater ses virages. Il roule à 30. Il tend le bras. Oh, dame. Pas question de forcer la mécanique. Il est toujours en train de soigner sa moto, de la bichonner. À la maison, il vit avec un chiffon dans une main et une burette dans l'autre. Tu exagères. Oh, j'exagère. Oh, mon pauvre Maurice, si tu es obligé de le supporter. Tiens, ses gouttes à table. Bah, t'as pas le droit de parler, de remuer pendant qu'il les compte. Et au dessert, il sort son journal et il relit sa prose. Et il commente celle des autres. Bien entendu, les autres sont tous des abrutis, des alphabètes, comme il dit. Analphabète. Oui, oh, bah, c'est bien un mot à lui, ça. Ça peut bien le dépeindre, tiens. Faut patienter, mon chéri. Mais jusqu'à quand? Il a 36 ans, il est taillé pour aller jusqu'à 90. C'est un malade imaginaire. Mais il n'a jamais eu envie de tenter sa chance ailleurs, à Paris. Sa chance? Quelle chance? Mais il n'a pas la moindre chance, justement. Il veut quitter ses habitudes, sa maison, ses amis. Oh, tu le connais pas encore. En tout cas, on n'est pas tellement malheureux tous les deux. Oui. Hein? Oui. Quoi, franchement? Bon, bien sûr, il y a des mauvais moments à passer. Seulement, c'est moi qui les passe. Oh, Maurice. Maurice, c'est très sérieux, comprends-moi.
Je suis à bout, absolument à bout. J'ai lutté jusqu'à présent, j'ai été patiente, j'ai tout supporté. Mais il y a une limite. Maintenant, c'est fini. Il faut trouver quelque chose. Mais pauvre chérie, tu sais bien que nous avons déjà 100 fois examiné la situation sous toutes ses faces et nous n'avons rien trouvé. Il doit y avoir une solution. Si tu m'aimais vraiment... Non, si je t'aimais vraiment, comment peux-tu dire une chose pareille? Pardonne-moi. Mon pauvre petit. Oh, mon chéri. Mon chéri. Maurice, tu as entendu? Entendu quoi? Qu'est-ce que tu as? Dans le vestibule, on aurait dit... Attends. Oui, va voir. Ben, il n'y a rien dans le vestibule. C'est que tu peux être nerveuse. Je t'ai jamais vu comme ça. Embrasse-moi, Tim. Oh, je finirai par mordre folle. Serre-moi fort, mon chéri. Très fort. Oui. Mon amour. Écoute. Je vais rentrer. Hein? J'attends un coup de téléphone. Comment? Alors toi aussi, tu travailles le dimanche maintenant? Mais non, justement, j'ai demandé qu'on m'appelle de bonne heure pour être tranquille ensuite. Tiens, on se retrouvera après déjeuner à la Maison Blanche. Hein? Je vais prendre la voiture et on fera une grande promenade. Puis après... Oh, là, tu vois, ça va déjà mieux. Allez, c'est entendu, hein? Non, non, ne m'accompagne pas, je connais le chemin. À tantôt. À tantôt, mon chéri. Ne criez pas, je vous veux pas de mal. Qui êtes-vous? Non, oh non, non, n'approchez pas, hein. Là! Ah, vous pensiez que j'allais me laisser faire, hein? Malheureusement pour vous, il y avait un revolver dans ce tiroir. Levez les mains. Plus vite que ça. Hein? Qui êtes-vous? Vous ne devinez pas? Ce vêtement, ses sabots. Ah, vous êtes l'un des évadés. Paul Méguin. Oh, le professeur. Je suis vraiment flatté. Un conseil, madame. Ne serrez pas si fort la gâchette, sinon le coup pourrait bien partir et ce serait vraiment dommage pour votre mobilier. Ou pour vous. Non, 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 restez où vous êtes. Je n'hésiterai pas à tirer, je vous préviens. Pourquoi êtes-vous entré ici? Oh, j'ai pas choisi la maison, je cherchais un abri. J'ai passé par le soupirail de la cave. Vous êtes mal tombé. Levez les mains. Là. Croisez-les derrière votre tête. Je crois que vous aimez les films américains. Tout à l'heure, vous n'aurez plus envie de rire. Vous voulez appeler la police? Cette question. Reculez vers le mur. Doucement. À votre place, je renoncerai à téléphoner. Reculez encore. Parce que si la police vient, je serai obligé, moi, de tout lui raconter. Lui raconter quoi? Ce que j'ai entendu derrière la porte. Vos projets. Votre petit complot contre votre mari. Vous avez entendu? Bien malgré moi. C'est pas un complot. J'ai jamais eu l'intention de tuer mon mari. Oh que si! Voyons, de vous à moi. Si ce monsieur qui était là tout à l'heure, ce Maurice, avait été autre chose qu'une poule mouillée, est-ce qu'il n'aurait pas compris ce que vous lui suggériez si clairement? Qu'est-ce que j'ai suggéré? Alors, allons. S'il vous avait pris au mot, s'il vous avait proposé de faire quelque chose pour parler comme vous, est-ce que vous auriez refusé? Vous voyez bien. Personne ne vous croirait. Si. Votre mari. Lui, il me croira du premier coup. Et puis, comment l'aurais-je inventé, ce Maurice? Vous ne direz rien parce que je vais vous tuer. Vraiment? Légitime défense. Et j'aurai mon portrait dans tous les journaux. Eh ben, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Juste une petite pression de l'index. Nous y sommes? Je compte. Un. 2, 3. Alors non. Hein, c'est moins facile qu'on ne croit de supprimer quelqu'un. Ou en penser, ça va tout seul. Et pour de vrai. Allez, posez donc ce pistolet sur la table. Vous voyez bien que je ne veux pas de mal. Vous allez sortir et vous cacher ailleurs. Je n'appellerai personne et c'est tout ce que je peux faire pour vous. Vous n'avez rien compris. Allons, un petit effort. J'ai besoin de vêtements et d'argent. Je ne vous donnerai rien. Attendez, mais laissez-moi finir, que diable.
J'ai besoin de vêtements et d'argent pour sortir du filet. Mais comme on n'a rien pour rien, je vous offre quelque chose en échange. Ah, je vois que vous commencez à saisir. Ça vient. Vous y êtes. Moi, je peux vous débarrasser de votre mari. Merci. Oh, cette fois, personne ne vous écoute, n'ayez pas peur. Oh, non, laissez-moi. Comment non? Réfléchissez. Moi, je suis déjà condamné à mort. Je peux me payer le luxe de descendre 1, 2, 4, 6, 10 bonhommes. Ce sera toujours le même prix. Alors, votre mari, vous pensez... Je le connais pas, mais à vous entendre, il est pas très sympa. Et ce sera si facile. Je me cacherai dans un coin quelconque, par là. Vous me donnerez votre revolver. Et quand il passera devant moi, à bout portant, hop, ce sera propre, il sentira rien. Vous pouvez me faire confiance, allez. Vous ne parlez pas sérieusement. En affaire, je plaisante jamais. Et nous sommes en train de traiter une affaire. Et s'ils vous reprennent? À la bonne heure. Vous voyez que vous vous y mettez vite. Et puis vous êtes futé. Vous vous dites, s'ils le reprennent, il parlera, il me dénoncera. Eh bien, je vous donne ma parole que personne ne saura jamais. Pour l'eau, on n'a qu'une parole. D'ailleurs, si je vous dénonçais, qui me croirait? Vous d'un côté, une brave petite femme irréprochable. Moi de l'autre, moi, Polo, l'homme taré, comme ils disent. Alors? Mais on m'interrogera? Ah, bien sûr. Si vous restez toute la journée dans la maison. Mais justement, vous sortirez, vous vous ferez voir en ville. Et puis, vous déclarerez que vous avez découvert le crime en rentrant. Est-ce que tout ça ne s'arrange pas d'une manière inespérée? Il y a plus d'une femme, croyez-moi, qui donnerait n'importe quoi pour trouver sa liberté aussi facilement et à si peu de risques. Si j'accepte, qu'est-ce que vous exigez? Le minimum. Vous n'êtes pas bien riche. C'est même un peu tocard chez vous. Bon. 200 billets. Est-ce que ça peut aller? 200 000 francs. Où voulez-vous que je les prenne? Oh, vous n'allez pas me dire que vous ne conservez pas d'argent liquide. Juste quelques billets de 1 000. Mon mari met tout à la banque. À croire qu'il n'a pas confiance en moi. Bon. Eh bien, alors, dans ce cas, n'en parlons plus. Attendez. Si je réussissais à me les procurer d'ici ce soir... Je vous en demande pas plus. D'autant que n'importe comment, je pourrais pas partir avant la nuit. Oui, mais dès que je vous aurai donné l'argent, qu'est-ce qui me prouve que vous ne filerez pas, hein? C'est pas très chic, ce que vous pensez là. Mettez-vous ma place. Oui, évidemment. Comment faire? Attendez, j'ai une idée. Nous sommes d'accord pour les 200 billets. Causez toujours. Bon. Alors, je vous propose de me les donner après. Je peux pas mieux dire, non? Oui. Y a encore quelque chose qui va pas? Ah! J'y suis, ça vous gêne la pensée de me revoir après? Eh ben, c'est tout simple. Il y a une petite table dans le vestibule. Vous mettrez l'argent dessus quand tout sera fini et vous vous en irez. Vous voyez que je suis arrangeant. Bien obligé. Oui, bien obligé. Un dernier point. Où voulez-vous que ça se passe? Ici? Ah oh non. Eh hey, non, pas commode, non. Au premier? Et tous les soirs, quand nous n'avons pas de bonne, il descend à la cave pour charger la chaudière. Parfait, je connais. L'endroit rêvé. Vous entendrez à peine la détonation. Alors, c'est convenu. L'argent sur la table du vestibule. Je l'emporterai en remontant. Maintenant, donnez-moi votre revolver. Tenez. Merci. Il me faut aussi des vêtements. Venez. Quelque chose d'usagé, hein, bien entendu, et neutre. Vous choisirez. Avec les vêtements de mon mari, vous ne risquez pas d'attirer l'attention. Oui, ce truc-là, bleu marine. Ouais. Ça ira. Et puis, cette gabardine. Vous voulez le chapeau? Non, pas de chapeau. J'aimerais mieux un béret basque. Une casquette, peut-être. Ça donne un genre que j'aime pas beaucoup. Enfin, donnez toujours. Là. Et puis, savez-vous ce qui me ferait plaisir? Pendant que je vais faire un petit brin de toilette. Oui. Une tranche de viande ou une petite omelette avec un café bien fort. Profitez de la situation. Ah! Je mets toutes les chances de notre côté. Je peux entrer là? C'est la salle de bain. Justement ce que je cherchais. Alors, à tout à l'heure. Et bien poivré, l'omelette. Eh bien,
Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Mais rien. Ça va très bien, au contraire. Oh, je te connais assez. T'as quelque chose derrière la tête, toi. Je t'assure que non. Enfin, on n'est pas bien tous les deux à se promener dans la nature comme ça. Mmh. Hein? Et tout à l'heure, ce sera encore mieux. Oui, bien sûr. T'as pas l'air convaincu. C'est pareil que tu penses encore à ton mari. Hein. Tu peux pas l'oublier 5 minutes. Oh, j'essaie de toutes mes forces. Tu crois qu'il pense à toi, lui? Tiens, je l'imagine en ce moment, avec son calepin et son Kodak en train de faire le gars enseigné auprès de ses confrères de Paris. Ils doivent bien rigoler, les autres. Oh, je t'en prie, ne me parle pas de René. Bon, remarque, j'ai beau temps un autre sujet de conversation, tu sais, moi. On pousse jusqu'à la rivière? Oui. C'est pareil que ça commence drôlement à dégeler, gare l'inondation. D'ici que j'ai encore 40 cm d'eau dans ma cave, comme l'hiver dernier, vous avez de la chance d'être sur la hauteur, vous? Maurice, j'ai un service, un grand service à te demander. Ah, c'était ça. Il me fallait le dire tout de suite, mon chou. Je t'écoute. J'ai besoin de 200 000 francs. Pardon? 200... Pourquoi faire, grand Dieu? Tu veux te payer un manteau, des bijoux? Oh non, plaisante pas, c'est très sérieux. Oula, quel air grave. Tu as fait des dettes? Tu as perdu au jeu sur parole. Je ne savais pas que nous... Non, je peux pas t'expliquer, pas encore. Plus tard, oui, je te dirai tout. Tu as confiance en moi? Mais cette question. Seulement, je suis tout de même un peu surpris, tu comprends, 200 000 balles. Oh oui, je comprends. Et cet argent, tu en aurais besoin pour quand? Mais aujourd'hui même, maintenant. Maintenant? Je ne promène pas une pareille somme sur moi. Tu aurais dû m'en parler ce matin. Je ne savais pas ce matin. Comment, c'est depuis ma visite que... Bon, tu ferais bien mieux de me raconter les choses, Suzanne. Je suis assez compréhensif, il me semble. C'est impossible. Dans quelques semaines, dans quelques jours, demain peut-être, je t'expliquerai, je te le promets, mais pas maintenant. Je ne te savais pas cachotière. Pas avec moi, en tout cas. C'est pas pour ton mari, au moins. Pour René? Oui. Avoue que ce serait un comble. Oh non, c'est pas pour René, au contraire. Alors, je peux compter sur toi? Bah, c'est-à-dire... Oh non, tu vas pas pleurer, hein, non. Bon, c'est entendu. En rentrant ce soir, nous arrêterons chez moi. Des billets 10 000, ça t'ira? Je pense, oui. Comment tu penses? Tu n'en es pas sûr? Si, des billets de 10 000, oui, ça sera très bien. Quelle curieuse petite femme tu fais. Je les retiens, tu sais, tes promenades sentimentales. Rassure-toi, va. Quand nous serons mariés... Mariés? Non, tu... Tu parles sérieusement? Oh, c'est un rêve que je fais comme ça. Mais il y a des rêves qui se réalisent. Dans les romans, oui. Pas seulement dans les romans. Ça va, quoi? Allons. Allez, par ici, les enfants, là. Allez, pas trop de bobos? Rien du tout, chef. Voilà l'oiseau. Ah, eh ben, tu l'as bien avancé, toi, maintenant. Va pour ce que j'ai à perdre. Et où l'avez-vous trouvé? À la ferme du Haut Pas. Il était planqué sur le grange, c'est le commis qui a donné l'alarme. Le chien n'arrêtait pas d'aboyer. Et l'autre? Ah, ça, l'autre. Allez, dis-nous un peu, qu'est-ce que t'as fait de ton copain? Il est parti de son côté. À quel côté? Quand? Ce matin. Polo voulait d'abord se procurer de l'argent et des fringues. Moi, je voulais qu'on staille le plus loin possible. On s'est engueulé. Oui, et vous vous êtes quitté où? À l'entrée du pays. À l'entrée. Quelle entrée? Fais pas le mariole, tu sais. Alors, c'est un conseil que je te donne. Mais je connais pas le coin. D'abord, il faisait noir. Et qu'est-ce qu'il comptait faire exactement, Polo? Chercher des fringues et du fric. Bon, tu nous l'as déjà dit, ça. Ensuite. Ben, c'est tout. Je vous jure que c'est tout. Il m'a pas fait un dessin. Non, laisse-le. Et qui est-ce qui a abattu Caporelli? Caporelli? Le gardien, tu sais pas son nom peut-être, non? Comment voulez-vous que... Ah, ça va. Et qui est-ce qui l'a frappé? Polo. Je m'y attendais. Polo n'est pas là pour dire le contraire, hein? J'étais en train de dresser l'échelle. Ça s'est passé derrière moi, j'ai rien vu. Ouais, c'est curieux. Vous n'avez jamais rien vu dans ces cas-là. Hein? Et qui est-ce qui s'est procuré la lime? Polo. Toujours Polo. Mais oui, Polo, allons-y. Il a le dos large, Polo. Eh ben, parlons de toi, mon ami. Qu'est-ce que t'as fait après que vous vous êtes séparés? Je suis tombé sur la gare. J'ai rôdé du côté du triage. J'espérais que je pourrais m'embarquer. Ben, y avait rien. Alors, je suis reparti. Devant un garage, j'ai vu un camion arrêté. Je me suis glissé sous la bâche. Et il partait toujours pas. Alors, j'ai compris qu'il était en panne et je me suis remis à marcher. Je me tenais dans le bois et puis des motards ont passé sur la route. L'alerte était donnée, il y avait une ferme, je me suis planqué dans la paille. J'ai plus osé bouger.
Ben, c'est là que... Ça suffit. Emmenez-le. Grandin. Grandin, prévenez la mobile. Qu'ils organisent des rondes cette nuit. On sait pas que je sois tellement persuadé que Fred ait dit la vérité, non. Faut rien négliger. Alors, si Polo est encore dans la ville et que... Oh, c'est gentil, ça. Faut bien manger, non? Ben, quand même, c'est gentil. Oh, je suis vanné. On a fini par l'avoir. Qui ça? Mais l'autre, le second gangster, Freddy les Grandes Pognes. Un pauvre minable qui s'est dégonflé, bien entendu. Ils l'ont alpagué dans une grange à 3 km. J'ai réussi à le voir au greffe. Oh, je t'assure qu'il n'emmenait pas large. L'autre court toujours, mais je lui donne pas 24 heures avant de se faire prendre à son tour. Oh, il doit être loin. Eh bien, justement, c'est ce qui te trompe. D'après Fred, il serait encore dans le pays. Ce Fred a raconté n'importe quoi. Mais tu t'imagines qu'on peut nous bluffer à volonté? Et tu nous prends pour des pauvres crétins? Ben, si tu savais de quels moyens dispose la police, tu en resterais baba. Hein? D'ailleurs, j'ai fait une série d'articles là-dessus. Quelque chose comme... Dormez tranquille, vous êtes défendu. J'en ai parlé au commissaire, il a paru très frappé. Entre parenthèses, quelqu'un de très bien, ce nouveau commissaire. Il sort d'une grande école, à la page lettrée. Pas du tout l'argousin à moustache que les profanes se figurent. Dis-donc, elle est tiède, ta soupe, ma pauvre fille. Oh, ça fait rien. Moi, je me doute bien que t'as pas eu le temps. Tiens, passe-moi mes gouttes. Tiens. Quant à Polo, tous les gendarmes ont sa photo, il aura beau se déguiser... Une, deux, trois, quatre... Pourquoi veux-tu qu'il se déguise? M'interromps pas, veux-tu. Cinq, six, sept... Il va tâcher de se procurer de l'argent et des vêtements par tous les moyens. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui te prend? Rien. Là, c'est à glisser, c'est pas une affaire. Non, bien sûr. Oh, où en étais-je? J'ai compté cinq, six, sept, huit... Non, sept... Ah, voilà, je sais plus, bon... J'ai dit 8, n'est-ce pas? J'ai pas fait attention. Ah, naturellement. Si je m'empoisonnais, tu ferais pas attention non plus. Oh là là, pour une malheureuse goutte. Oh, une malheureuse goutte, le mot est joli. Enfin, allez, discutons pas. Il me semble que j'ai dit 8, hein? Mais tu venais de prononcer une phrase, voyons, répète-la. C'était à propos du type qui se déguise. Oh, assez, assez! Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu as ce soir? Regarde-moi un peu. T'es sorti cet après-midi? Il y a des chances. Où es-tu allé? Je me suis promené dans la campagne. Ah, attends, dis donc, ça me revient. Tu as dit, pourquoi veux-tu qu'il se déguise? Alors moi, j'ai répondu, ne m'interromps pas, et j'ai compté 5, 6, 7. Je me souviens parfaitement. Bon, du silence maintenant, hein. 8, 9, 10, 11, 12. Là, voilà. Je suis quand même plus tranquille. Donne-moi la suite, va. Oh non, oh, pas de viande, c'est lourd. J'aimerais mieux un œuf sur le plat. Veux-tu que je prenne des œufs? Ben comment, il y en avait 3 hier soir dans le buffet. Je les ai mangés à midi. 3 œufs? Mais tu es folle, un coup de démolir le foie, ça. Moi, il suffit que je prenne une bouchée à la reine, j'ai eu soif toute la journée. C'est pourtant pas bien méchant, une bouchée à la reine. Mais puis j'avais pas le choix, c'est Lambray qui a commandé le menu. Lambray de Paris Presse, tu sais. On a bavardé longtemps, copain. Il s'intéresse à ce que je fais. Mais parce que t'as beau dire à Paris, ils lisent les journaux de province. Ouais. Ils sont même drôlement au courant. Mon petit Merlier, je te répète exactement ces paroles, hein. Mon petit Merlier, vous devriez entreprendre une grande enquête, ensuite vous réuniriez vos articles en bouquin et on s'occuperait de vous. Voilà ce qu'il m'a dit. Où vas-tu? Je vais descendre chercher une bouteille de Vichy. Non, non. Bah, non, c'est pas la peine. Il y en a une à la cuisine. Oh, elle doit pas être bien fraîche. Mais si tu bois trop froid, ça te fera pas de bien. Ah oui, tu as peut-être raison. Merci. Je t'ai jamais vu aussi prévenante. Au fait, tu m'as pas raconté ta promenade. Qui as-tu rencontré? Personne. T'as pas rencontré Maurice Griffaut, non? Maurice Griffaut? Non, pourquoi? Ben, je sais que vous vous voyez de temps en temps au ciné-club. En tout bien, tout honneur, oui.
Seulement dans ma profession, je suis bien obligé de tout savoir. Et ça te gêne? Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Bien sûr que non, ça ne me gêne pas. Oh, ça te flatterait plutôt. Hein, t'es un type très bien, Maurice Griffaut. Puis il a des tas de relations. La vérité, c'est que ça me fait ni chaud ni froid. Et je cesserai de le voir si tu y tiens. Mais pas du tout. On peut rien te dire, bon sang. Oh, et puis assieds-toi, je t'en prie. Je peux pas supporter de te voir aller venir comme ça sans arrêt. Est-ce que tu as froid? Froid? Quelle drôle d'idée. À vrai dire, fait pas très chaud. Hein. Va falloir que je bourse cette chaudière à bloc tout à l'heure. Tiens, j'en parlais avec Borel, qui a le chauffage central, lui aussi. Eh ben, dis donc, Borel, il s'en tire avec deux tonnes et demie, une tonne de moins que nous, tu te rends compte? Une tonne, hein? Je dis bien, une tonne, 1 000 kilos. Une économie de 18 000 francs. Évidemment, c'est appréciable. Seulement, il s'y prend pas comme nous. Il remplit sa chaudière jusqu'à la gueule, et puis il ferme presque complètement la soupape qui est derrière, tu vois ce que je veux dire? Non. Mais si, sur le tuyau, il y a une clé, hein? Bon, eh ben, entre la clé et la chaudière, il y a une espèce de petit clapet réglable. Mais je l'ai jamais vu. Oui, tu vois jamais rien. Tiens, tiens, c'est fait comme ça. Non, hé, dessine pas sur la nappe, voyons. Parce que tu peux être gourde quand même. Tiens, tu vas descendre avec moi, hein? Je vais te montrer comment il faut établir le tirage. Alors, tu viens? Je t'ai très bien compris. Tu m'as même pas écouté. Tu expliqueras tout ça à la nouvelle bonne. Oh, ben, dis donc, non, est-ce que c'est à moi de lui dire comment on entretient un feu? Ben, de quoi j'en ai l'air? Le feu, c'est le travail de l'homme. En tout cas, tu vas venir tout de suite. Allez, j'en ai assez de tes caprices. Non. Hein? Tu vas venir? Non! Oh, et puis je suis bien bête. Oh, si tu vois pas l'intérêt d'économiser 20 000 francs, après tout, je m'en fiche, moi. Mais viens pas te plaindre, hein, le jour où il te restera pas de quoi te payer. Allez, bon. Allô? Allô? Oui, je rentre juste. Oui? Oui, bon, eh ben on verra ça demain, hein. Et même si on l'arrête cette nuit, fichez-moi la paix, hein. J'ai envie de roupiller tranquille. Bon, oui, salut. Oh, dis donc, fais pas cette tête. Et non, je repars pas. C'est Bertrand qui me dit que Polo a été aperçu. Où? Ah, il t'intéresse, celui-là. Hein? Sur la route de Paris. Note qu'on n'est pas sûr, hein. De toute façon, il ira pas bien loin. Ah, voilà, hein, tiens. Ah, j'aimerais pas être dans sa peau. Oh, oh, c'est fou ce que j'ai sommeillé. Ils m'ont tellement fait galoper aujourd'hui. Allez, je descends bourrer la chaudière et hop, dans l'étoile. Oh, quoi, qu'est-ce que j'ai dit encore de vexant, hein? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je te regarde comme tous les jours. C'est vrai, on sait jamais ce que tu penses. Eh, c'est gai, c'est pas pour dire. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est pas possible. J'ai pas fait ça. Oh non, j'ai pas fait ça, mon Dieu. Ce Polo est peut-être parti. Oh mon Dieu, faites qu'il soit parti. Faites qu'il ne se passe rien. Oh, je vous en prie, je vous en prie, mon Dieu. Je ne reverrai jamais Maurice, jamais. J'accepterai tout, tout. Je ferai n'importe quoi. Oh mon Dieu. Et l'argent. L'argent dans mon sac, l'argent. C'est toi? Je viens de faire quelque chose de terrible. René est mort. Oui. Un des bandits qui s'était évadé, Polo, il s'était réfugié ici. Alors je lui ai dit de tuer René. Je lui ai payé. Les 200 000 francs, c'était pour ça. Il l'attendait dans la cave avec le revolver. On vient tout de suite, tout de suite. Il va remonter. Oh, j'ai été folle de me fier à lui. Il va vouloir plus d'argent. Il va me tuer à mon tour. Je l'entends, le voilà. Oui, je me suis enfermée à clé, mais...
Oh, viens, Maurice, viens vite, Maurice, le voilà. Au secours, Maurice, au secours. Je vous ai mis l'argent sur la table, les 200 000 francs. Laissez-moi, vous m'avez promis. Allez-vous-en. Allô? C'est vous, commissaire? Ici René Merlier. Il arrive une chose incroyable, épouvantable. Polo s'était réfugié chez moi. Chez moi, oui. Il a tué ma femme. Et il m'attendait dans la cave, mais c'est moi qui ai eu le dessus. J'ai réussi à le désarmer et je l'ai abattu. Ça, à vous ? Oui, oui. Je tenais le tisonnier quand il est sorti de sa cachette. J'ai frappé, j'ai dû lui casser le poignet. J'ai ramassé le revolver, j'ai tiré. Tout ça s'est passé très vite. Eh ben, c'est égal. Il vous a fallu un sacré courage. Du courage, oui. Oh, du courage, c'est seulement maintenant qu'il va m'en falloir. Oh, ma pauvre Suzanne. La Belle, nouvelle radiophonique de Boileau Narcejacques, avait pour interprète André Vard dans le rôle de Merlier, René Avard, Polo, Jean-Claude Michel, Maurice et Rosie Vart, Suzanne, avec Pierre Leproux, Henri Virlogeux et Jacques Rispal. Bruitage, Gabriel de Rivage. Avant que nous vous présentions les chroniques habituelles des livres et du cinéma de nos collaborateurs Germaine Beaumont et Roger Éjean, nous vous prions d'écouter notre sketch concours hebdomadaire, l'accident de la semaine. Il se situe aujourd'hui dans un dépôt d'objets en matière plastique et de carton pour emballage où éclate un incendie. Voici les deux questions que nous répéterons tout à l'heure, auxquelles vous aurez à répondre après avoir entendu ce sketch. Primo, des risques d'incendie existaient dans cet atelier. Or, la propagation du feu a été due à un certain nombre d'erreurs et de négligences. Quelles sont ces erreurs et ces négligences? Deuxième question. Quelles sont, en vue de diminuer les risques d'incendie, les 5 plus importantes précautions à prendre dans la construction, l'aménagement et l'équipement de locaux dans lesquels doivent être entreposées des matières inflammables? Écoutez donc bien le sketch qui suit pour pouvoir répondre judicieusement et gagner un des lots qui vous sont offerts. Pompier, j'écoute. Qui êtes-vous? Quelle adresse? Bien, le nécessaire sera fait immédiatement. Est-ce qu'on sait où le feu a pris? Mais oui, on le sait, c'est à la manutention. C'est plein de cartons ondulés et de frisons. Oh, bah c'est pas étonnant que ça brûle si bien. Pourvu que le feu ne gagne pas tout le quartier. Heureusement que les pompiers sont venus tout de suite. Oui, sans ça. Rassure-toi, j'ai rien du tout, je vais t'expliquer. Oh, mais si tu as quelque chose, si tu voyais la tête que tu fais, tu es vraiment pas malade. Mais puisque je te dis que non. Mais alors? Bah alors, écoute-moi, je vais te raconter comment ça s'est passé. Oh, pas quoi. La peine, bah. Tu vois très bien ce qui s'est passé, tu as eu une dispute avec le patron. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Laisse-moi parler tout de même, non? Bon, alors voilà. J'étais en déplacement aux ateliers Chauveau.
Tu sais, Chaud. Oui. Alors, ils avaient froid dans leur atelier d'emballage. Alors, ils ont demandé qu'on leur pose un radiateur supplémentaire. Pour ne pas déranger leur travail, le patron m'avait demandé de faire le branchement entre midi et 2 heures. Oui. Pendant que les employés vont déjeuner. Bah, c'était pas du gâteau de faire mes soudures dans un endroit où il n'y avait même pas la place de se retourner. Tellement c'était encombré d'emballage vide. Alors, je leur ai dit de tout déménager. Ils m'ont répondu que c'était impossible. Alors? Bah, alors, s'il devait arriver, c'est arrivé, quoi. J'étais occupé à souder un raccordement au chalumeau. On l'a senti tout d'un coup une grande chaleur derrière moi. Oui, alors. C'était le fourvi qui brûlait. Sans doute une étincelle qui aura jailli sur des emballages, je sais pas moi. Enfin, qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Hein? J'ai cherché l'extincteur que j'ai fini par trouver derrière une porte. Je l'ai vidé d'un coup en plein dans le foyer, mais au point où c'en était, du bar, le plafond de la baraque qui était tout en bois commençait déjà à s'effondrer. Alors j'ai couru chez le concierge, on a appelé les pompiers, j'ai fait ma déposition aux pompiers, puis je suis rentré à la boîte et j'ai tout raconté au patron. Et puis me voilà. Oh mon chéri. Quand je pense que t'aurais pu brûler là-dedans. La radiodiffusion télévision française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir La Belle, nouvelle radiophonique de Boileau-Narcejac, notre concours L'Accident de la Semaine et Le Petit Courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Assistant Jean Garetto, réalisation Pierre Billard.